m'entende. Le personnage principal s'appelle Miguel. Sa famille, ils sont cordonniers. Et puis lui, il est cireur de chaussures. Je sais, je devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang. Il a appris à jouer de la guitare et il s'est dit, pourquoi pas faire la musique comme son arrière-grand-père. Moi, je serai musicien. Il arrive à être musicien ou... Pas trop. Pourquoi? Parce que sa famille ne veut pas qu'il soit musicien comme son arrière-grand-père. Les musiciens sont égoïstes et irresponsables. On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille. Pas de musique. Sa grand-mère a cassé sa guitare. Pas de musique. Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique. Coco, dans le film, c'est la fille de l'arrière-arrière-grand-père. Bon, elle n'est pas, on va dire, en forme, mais elle est vivante. Oh, et pobrecito, estás bien, mijo. Son arrière-arrière-arrière-grand-père, il est mort, et en fait, il était musicien, et la grand-mère croit que c'est une malédiction. Día de los muertos a commencé. Et lui, il voulait vraiment absolument faire comme son arrière-arrière-grand-père. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve. Ils disent que, par exemple, quelqu'un de la famille ou quelque chose comme ça, il ne faut jamais les oublier. Peut-être pour ceux qui sont morts, ils pourraient les revoir. Mais autrement, ils disent qu'il ne faut jamais les oublier. En gros, on a trois phases. Il y a la phase où il y a les vivants. Et quand les vivants sont morts, ils passent dans un monde où là, ils peuvent encore rejoindre les vivants, mais sans que les vivants parlent aux morts. Ah, Dante ! Tu dois rester avec moi, mon chien. On ne sait pas où on est. Alors, c'est pas un rêve. Vous êtes vraiment tous là. Et quand les vivants oublient les morts passent dans le monde oublié. Ils seront toujours là pour te guider. Il n'y avait pas vraiment la tête dans la photo. Et du coup, quand il est parti voir son arrière-grand-père, il s'est trompé, en fait. Quelle ? Maman Imelda ! Toujours aussi belle ! Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? C'est vous ? Ouais, c'est moi. Beau gosse, hein ? Hector, le squelette, c'est un roublard. Il essaye de gruger le monde des morts en passant par le pont qui mène dans le monde des vivants. Rêve, vous êtes tous vraiment là ? Bienvenue ! Rien à déclarer ? Eh bien, comment dire ? Si. Le film, sur une échelle de 1 à 10, je lui mettrais 10 sur 10. C'est l'enfant vivant! Parce que j'ai bien aimé l'ambiance et l'histoire. Regarde ta main! Je deviens un squelette! Tu dois rentrer chez toi avant le lever du soleil. Je vais t'aider. Ouais, il y avait l'ambiance, il y avait les voyages, la musique aussi. On ne peut pas renier sa véritable destinée. À toi maintenant de faire un choix. C'était original. Mais ma scène préférée, ça a quand même été la fin. Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais on reste soudés. Rien n'est plus important que ce que vous aimez.